want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Je suis en train? Ouais. J'espère qu'on n'est pas chez le fou. Allez, je sais pas si on est là, je vais aller voir. Je vais demander. Ah, c'est peut-être elle. Donc là, on vient d'arriver au Hogan. Et on dort face à ça. Ouvre-moi le coffre. On dort là. Oh, la voiture, elle est sale. Ouvre le coffre, chat. Trop lourd. Notre pauvre voiture, elle est sale. Moi, j'ai même pas mis le derrière de mes chaussures. Tiens, la pie. Donc voilà, notre vue. Aïe. Pour ce soir, ouf. Oh, il y a la terre rouge partout. Et donc, on dort chez Rosaline. Et on a la chance d'avoir ces petites toilettes sèches. Bon, allez, je vais aller voir Rosaline. Ah. Tu veux découvrir avec moi? Trop cool. On dort là. Dépêche! Ah. Donc en fait on est rentré dans le Hogan avec Pierre. Mais attendez, je vais faire une petite visite avant. Et Pierre il a découvert un truc. Effectivement, s'il plaît. Donc c'est tout à base de terre en fait. C'est de la terre comme au sol mais très dure. Et con quoi. Avec du bois bien sûr. Mais c'est pas que de la terre. Je te l'ai dit que c'était du bois et de la terre. Oui, c'est de bois et de la terre. Et donc en fait c'est aménagé à l'intérieur, c'est plutôt rigolo. On a toujours la terre ici mais à la fois on a des tapis. Voilà. Tout au long. Et Pierre a découvert un truc, c'est qu'ici il y a un trou. Il y a un vrai trou. Mais Pierre il a raison, s'il pleut, il pleut. Mais les Indiens ils faisaient comment avant? Ben, je sais pas. Donc ça sera notre lit. Mais non, c'est chacun un lit, ils sont tout petits. Toi, tu dors dans celui-là et moi dans celui-là. Ok, si tu veux. Il y a de l'eau. Et ils nous ont dit, welcome, sunrise time, 6:70 AM. Et sunset à 7:45 PM. Your experience, Amanda. Il y a la Wi-Fi. Sarah, revit là. Oh là là, please post in your journal, thank you. Bon, déjà, ça pue pas. Par contre, on est obligé de se laver avec cette eau-là. Et la bassine, là. Et les serviettes sont là. Par contre, ils m'ont mis un petit miroir grossissant, histoire que je puisse voir un petit peu mes boutons. Mais là, il n'y a pas un truc qui cloche. La voiture, carrément. Ah oui, bon, la voiture, j'avoue. Elle a un peu rien à voir avec le décor. Par contre, on est juste un petit peu seul au monde, ça c'est cool par contre. C'est génial. C'est que le plus heureux. Pierre, il est très très content. Il préfère dormir dans ça que dans un hôtel. Ben, moi, je vais pas exagérer. Et là, c'est là où habite Rosaline. Et c'est sa petite fille qui nous a accueillis, très gentiment, qui était rigolote. Ah bon, mais pas du tout. Comme d'hab, j'enlève toutes les valises, c'est ça? Bouge pas, hein? Voici Sarah qui se lave les mains. C'est la marque REC en rouge? Mais oui! Sarah qui se lave les mains. Elle n'a pas l'habitude, hein, la petite princesse. Elle va même se doucher dans la petite bassine. Ah, je l'ai mis en salle. C'est notre petit chez nous. Avec une petite cheminée au milieu. Là, on voit pas grand chose. Là, c'est le petit bureau. Parce que Sarah, elle n'a pas fait ses devoirs, donc elle est punie. Et là, c'est mon petit chat. Rosaline, elle a une question dedans, ça fait plaisir. Même des fois, dans les hôtels, ça pue plus que ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Un petit mot, Sarah? Ben, moi, je sais pas. Un petit mot. Alors, un petit mot, je suis très contente de dormir là. J'aurais aimé pouvoir échanger avec les Indiens. C'est tout. D'accord. Au revoir, Sarah. Bonne nuit, les petits. Donc, comme d'hab, vous le voyez pas, mais Pierre s'est installé sur le lit. On est dans le Hogan. Et moi, ce que je voulais, en fait... c'était surtout, c'est qu'en fait ici, il y a un livre sur le Hogan où tous les gens marquent ce qu'ils ont pensé depuis leur arrivée, enfin voilà, un petit mot pour la famille en fait, qui loue ce Hogan, et je trouve ça trop chou. Mais il n'y a aucun mot en français, je regardais, alors j'aimerais bien peut-être leur laisser un mot en français vu qu'ils n'ont pas de mots en français, il n'y a que les anglais. Il y a de très beaux, de très beaux mots. Il y a même des dessins, tout ça. Je trouve ça trop chou. Des cartes postales. Moi, je vais leur écrire en français. Et je vous montrerai ça. Il y a encore des dessins. Bon, mais moi, je vais écrire le petit mot. Et voilà, j'ai fini mon mot. Rondoudou. Oh, il m'a trouvé sur internet là. Et voilà. Alors, est-ce qu'au Rondoudou, on va le voir si je mets la lumière sur lui? On ne le voit pas beaucoup à Rondoudou. Si je fais ça. Ah, Rondoudou! Voilà, où est-ce qu'il va faire dodo, Rondoudou? Mais moi, je veux faire dodo là. Lui, il va faire dodo là. Et là, on voit la nuit, il y a un trou. Voilà, notre Hogan. La nuit, at the night. Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, merci. Donc là, on regarde le lever du soleil. Il y a un peu des nuages et Pierre, il est un peu ronchon. Il va aller repartir au dodo. C'est très très dur la life. Et oui, c'est beau. Bien sûr que c'est beau. C'est dur bébé de se lever à 6h50. Mais bon, t'auras pas des levées comme ça tous les matins. Et moi, j'ai oublié d'aller prendre mon jus de fruits. Je vais prendre mon jus de fruits. Alors, on a très bien dormi dans le Hogan. J'ai eu très très peur. Il y avait un papillon de nuit. Il a failli m'embêter hier soir. Alors, j'ai cru que c'était une bête et tout ça. Et en fait, non. Ouf. C'était qu'un papillon de nuit. Il reste un Sunnydite. Bon, je vais travailler, je vais mettre les vidéos. Là, il y a le chien. On se calme. Et ils sont très très foufous. Moi, je suis pas réveillée. Regarde ma tête. Je suis pas du tout réveillée. Et ils se bagarrent et tout. Il a fait renverser mon jus de fruits et tout ça. Voilà. Il recommence. Allez. On descend de la table. Psst, non, le paquet de cigarettes. Non, non. Ah. Oh. Allez, allez. On s'en va. Mais ils comprennent pas le français. On se calme. Descends. Va là-bas. Come on. Comment tu t'appelles? Viens ici. Allez. Non, tu sautes pas. Ah, voilà. Va là-bas. C'est embêtant, lui. Oh, il a mouillé toute ma sangle en plus. T'es coquin. T'es foufou. C'est mignon, mais t'es foufou. Va nous laisser tranquille. Ce matin, la Rosaline, elle nous a amené le café et du pain qu'ils mangent, soit le matin avec du miel ou soit quand ils mangent leur nourriture, ils mangent du pain comme ça, c'est traditionnel. Et elle l'a fait ce matin, elle avait encore de la farine sur les mains. Donc elle nous l'a fait. J'ai trouvé ça trop gentil. Mon loulou, lui, il n'est pas réveillé ce matin. Ce matin, c'est très compliqué de faire lui. Non mais loulou, c'est bon. Hein. T'es en train de grandir quand même, toi, t'as un lundi. C'est vrai qu'on est dégueulasse cet état comme ça. Mais en même temps, on est obligé, c'est que de la terre autour de nous. Donc là, on s'en va du Hogan. Alors, Pierrot, t'es un peu tristouni? Oh, mon nez, j'ai mon nez qui me gratouille. Et qu'est-ce qu'on aurait oublié? Je sais pas. On a posé toutes les affaires. Le sac, il était là-dedans. Il n'y a rien derrière. C'est un serpent. On se marre en plus, les gars. Non, ça va. Au revoir, le Hogan. Il y aura juste un serviette à pas oublier. Les clés de quoi? Tu les as où? C'est toi qui les as repris, tu m'as dit que tu... Non, c'est toi qui t'en es servi. Ah, j'ai déposé dehors. T'as pas fermé les portes? On va leur dire thank you. Moi aussi, je suis un peu triste de quitter ici. Même si les toilettes, elles vont pas du tout me manquer. C'était une odeur, mais vraiment immonde. Donc ça y est, on s'est engagé dans la Monument Valley. Et la route est juste... Mais bon, c'est cool. I'm so happy. Trop beau.